et de vous accueillir encore. Et je parlais aussi du partenariat. Vous voyez que déjà notre ministre va être, non pour le protocole, mais va nous enseigner, parce que c'est son domaine, et tous les intervenants d'ailleurs. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous sommes émerveillés de voir comment un partenariat qui a commencé ici au Sud Kivu depuis 2005 continue jour après jour à servir les populations aussi du Sud Kivu dans le domaine de l'éducation, éducation pour tous, relèvement communautaire, protection des vulnérables, aussi dans le domaine de la femme, donc approche genre et questions spécifiques des femmes. Et c'est dans ce sens-là qu'hier on parlait des projets avec W4, mais Fondation Orange. Mais aujourd'hui, nous venons dans un autre aspect, comme une continuité avec les projets W4, OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, et Alpha Ojovi. Ces projets de la francophonie, c'est Lionel qui va développer davantage. Mais cette Organisation Internationale de la Francophonie veut aussi soutenir les femmes dans leur projet d'entrepreneuriat. Le projet s'est intitulé Entrepreneuriat, les femmes avec elles. Lionel va développer. Donc, tout est bien. Il m'a fait des choses à ça. Les membres sont classiques. Thème à Kwanza. Et le projet est à quoi la matinée, mais l'éclairement. La thème à Léo. Et je suis à santé. Confine de santé. Tout ça pour pouvoir participer. Mais quel autre endroit? Balimou, Banafouzi, facilitateur, formateur. Vraiment, c'est surtout merci. Comment on se sent ici en famille. Et nous n'avons pas oublié qu'hier, comment s'appelle la dame Jolie? Elle nous a laissé de dire que nos filles sont devenues des fausses. N'est-ce pas? Donc, nous sommes ici pour les fausses. Ok, merci. Bon, y aller un peu plus vite. Nous appelons la directrice du centre digital à placer son nom en rapport avec le projet OIR. Lionel, vous avez la parole. Madame la chef de division provinciale du genre, famille et enfants, monsieur le chef de division provinciale de l'EPES pour son délégué, monsieur le maire de la ville de Bukavu pour son délégué, très cher révérend sœur, mesdames et messieurs les représentants des partenaires, chers collaborateurs, chers étudiants et membres des familles respectives, chers participants à vos rangs et qualités, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous inviter aujourd'hui à l'ouverture des ateliers de sensibilisation communautaire organisés par le collectif Alpha Ojovi en collaboration avec Women's World Wide Web, W4 en cycle, et l'Organisation internationale de la francophonie. Le projet Francophonie avec elle porte sur la formation des compétences informatiques et entrepreneuriales pour les filles et les femmes de la région francophone du Grand Lac en Afrique subsaharienne, dans le but de promouvoir leur autonomisation socio-économique. Le programme est soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et mise en œuvre conjointement par W4 et le collectif Alpha Ojovi. Le programme a été lancé en juillet 2020 à la demande de la secrétaire générale. La francophonie avec elle a pour objectif général de donner aux femmes et filles les moyens de se relever dignement de la crise sanitaire et économique traversant actuellement et d'affronter les suivantes en renforçant leur accès au développement économique. Ce programme vise particulièrement à promouvoir l'autonomisation socio-économique des filles et des femmes issues des milieux marginalisés de la région francophone du Congo. Burundi, à l'emploi, de créer, de développer leur propre CGL ou entreprise durable et d'intégrer le secteur de l'emploi formel dans le milieu d'un programme de formation durable combiné à un programme d'éducation. De la République démocratique du Congo, nous avons 6 centres fonctionnels qui dispensent chacun une formation pour une cinquantaine de femmes et des filles.
Nous avons un centre à Bukavu, on est investi beaucoup à Goma, à Kindu et à Kinshasa. Un centre à Kigali au Rwanda, un centre au Bujumbura au Burundi. Ce format a la particularité de présenter un volet d'aujourd'hui, ce qui permet aux femmes de poursuivre leurs activités en parallèle du programme de formation. Il s'agisse des activités génératrices des revenus, d'activités liées à l'entretien de leur foyer et la prise en charge de leur famille respective. Ces ateliers ont pour objectif de promouvoir les droits des femmes et des enfants, de prévenir et mettre fin aux violences faites aux femmes, de sensibiliser les publics à l'importance de l'éducation des femmes, des filles et de l'entrepreneuriat féminin, promouvoir l'autonomisation socio-économique des femmes et l'égalité hommes-femmes. Les séances auront également pour objectif de mobiliser les hommes en tant que défenseurs masculins à l'égalité entre les genres, ainsi que les autorités locales pertinentes. À ce jour, plus de 300 femmes bénéficient directement de notre programme âgées de 16 à 45 ans qui ne sont pas scolarisées, sont sans emploi ou travaillent dans le secteur informel et vivent en dessous de la seuil de pauvreté en RDC, au Rwanda et au Burundi. De plus, le projet bénéficiera directement de 600 personnes, membres du foyer et participants au programme et de la communauté locale grâce au volet du programme dédié à l'éducation et la sensibilisation et au renforcement des capacités de la communauté. On représente pour ces femmes une en situation de vulnérabilité, un refuge. Le programme permet aux femmes de tisser des liens entre elles et de faire partie d'un groupe, de rompre leurs enfants. Les femmes acquièrent davantage confiance en elles. Le programme offre une opportunité de rebondir et d'envisager de nouvelles perspectives d'avenir grâce à l'acquisition des compétences professionnelles essentielles. À l'avenir, les compétences nouvellement acquises en matière d'informatique et d'entrepreneuriat permettront aux femmes d'améliorer leurs agères ou de créer des entreprises, ce qui augmentera leur autonomie financière, leur statut social dans leur famille. Mesdames et messieurs, je souhaite un plein succès à nos travaux et je déclare ouvert l'atelier de sensibilisation communautaire de ce vendredi 21 mai 2020. Je vous remercie. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge du genre, Monsieur le représentant du chef des commissions en charge de l'éducation, Monsieur le représentant du maire de la ville, le grand soeur et membre du collectif Alpha Kouti. On avait l'habitude de parler des Kouti aussi, et on est en train d'apprendre que ce n'est pas Kouti aussi, mais c'est Kouti Kouti. Tenant compte de toutes les observations formulées par l'équipe du collectif Alpha Kouti, et moi j'orientais ma présentation sur l'impact sanitaire et socio-économique du COVID-19 sur le vécu des communautés. Wababa, Wamama, Vidiana, Mbautunakua, Abba, je
nafurahia collectif Alpha Ujuvi, donc Tualika, kuja kuzungumza leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2021 juu ya matokeo ya COVID-19 na hata ile mbinu ambao wakuu viongozi wetu walikamata kwa kupiganisha COVID-19. Kwanza tunaleta shukrani zetu kwa wale ambao wametayarisha mkusanyo huu. Yale tutasema kwa kuzungumza, tutaanza kwanza kusema lengo gani ambao tunafuatilia kwa kuzungumza juu ya item make objectif ya presentation yetu iko ni ku contribuer à la connaissance des impacts sanitaires et socio-économiques du COVID-19. Ni kusema tutajua matokeo gani ambao ma mesure ambao autorité tu alikamata na magonjwa yao peke COVID-19 ilileta kwetu sisi kama taifa, kama population. L'objectif ya pili c'est identifier les mesures d'atténuation des conséquences du COVID-19 dans nos communautés. Kusema tutajua namna gani sasa tutaendelea kupiganisha ile matokeo ili tusibakie ba vulnerable juu ya ile COVID-19. Kisha tutapata introduction kidogo. Badala ya ile introduction tutazungumza juu ya riposte wala kupiganisha COVID, na badala ya kupiganisha tutaona matokeo. Kisha matokeo tutaendelea kuangalia namna gani sasa tunaweza kujiadapte wala kutia mbinu ya adaptation, na mwisho tuta conclure kanusha mama Solange anajua Swahili bien. Ni kusema introduction, nimekusha kusema lengo maki objectif. Hivi tunaingia kwa kiingilio yetu, ni kusema kwamba le confinement comme les mesures de prévention contre le COVID-19 ont semblé être efficaces pour contenir la maladie. Tunajua hizo ma mesures wala miradi au mpango ambao wakuu viongozi wetu wametoa kwa kusema tupiganishe propagation donc ya magonjwa ile virus, ilikuwa kitu kizuri. Juu mnajua mars mpaka mei mpaka juin tulifaire phase, première phase, première vague ya magonjwa ya COVID, na kisha ku novembre tena tukaanza kufaire phase ku deuxième vague. Ni kusema ile ma mesure ilitusaidia kupiganisha virus wala kuzunguka ya virusi ya corona katika mji wetu na katika nchi yetu. Me ingawaje ilikuwa vile magonjwa ya corona na ile ma mesure iliweza pia kuaggrave hali yetu ya kuishi kwa ujumla, na zaidi kwa wanawake na vijana, wavulana au wasichana waliweza kusumbuka zaidi. Katika kiingilio nilitaka tujue kama hii magonjwa ya COVID ilianza ku Desemba. Si vile wadada na wamama, ku Desemba katika nchi ya China au China, na ilianza katika province ya Hubei katika vili ya Wuhan. Ni huko wale wachuuzi wa soko kubwa ambao inakaa katika province na ile vili ya Wuhan walianza kugonjwa magonjwa ya kifua, ambao imeanza kifua kidogo. Tunajua inaweza kuwa rhume, si baganga tunasema kuna kama infection respiratoire yenye inakuwa inatushe mafua respiratoire supérieure, manake pua, gorge, na kuna kwa ile ma infection respiratoire yenye inatouche ma voie respiratoire yenye iko inférieure, manake unaanza larynx, pharynx, poumon. Ni kusema watu walianza kufanya magonjwa ya kifua
wengine wanafanya rhume ya grip tunasema kawaida pia grip na wengine badala ile grip wanazofika na wanakufa na pale wataalamu wakasema kwamba hiyo ugonjwa ambao inatokea wakadecouvrir juu hii haiko njo epidemia ya kwanza ya coronavirus kulikuwa epidemia ya coronavirus ku 2002 kulikuwa epidemia ya coronavirus ku 2012 na ile ya 2019 ndio ilitayarisha tellement ilikuwa nguvu sana na inaua haraka ilikuwa nasema wakasema inakuwa c'est une pneumonie virale à SARS-CoV-2 maintenant que les SARS inasema sévère donc syndrome respiratoire aigu sévère à coronavirus 2 parce que pourquoi déjà pour coronavirus 1 il n'y a pas identifié en 2002 le 30 janvier 2020 OMS badala ya kupata OMS comme organisation mondiale ya santé badala ya kupata ile rapport ya kusema Chine inatabanika na ile virus na badala ya Chine tukaanza sikia ma kontina zingini Chine iko kwenye Asia tukasikia kontina zingini Europe Amerika Afrique inakuwa affecté le 30 janvier ile organisation mondiale de la santé ikasema kwamba hii inakuwa urgence sanitaire débordée internationale. Donc, ma gondwa COVID, on va considérer comme une urgence sanitaire. Manake matokeo ya nguvu sana ya kiafya na ambao inaangalia ulimwengu wote. Na le 11 mars 2020, OMS ika considérer COVID comme étant une pandémie mondiale. Pandémie due à nini? Kwa ile magonjwa yalitokea Chine tunasikia kwa province moja ya Chine kwa ville moja lakini ikatawanyika ulimwengu wote ndio wakasema inakuwa pandemi donc zaidi ya 2 continents kama tunajua si zaidi ya inchi 117 ndio walipata ile corona virus wala COVID-19 ni kusema kwamba magonjwa ya COVID na ile mamesure ambao wakuu viongozi wetu walikamata iliweza kuleta mabadiliko katika namna ya kuishi, katika namna ya kutafuta mali, katika namna ya uongozi na zaidi iliweza kuwa chanzo cha matokeo ya ujeuri na ubakaji juu ya wanawake na mabinti zetu. Na kwa kumaliza tutasema ya kwamba virus ya corona bado inaendelea inatembea ni adui ambaye hatumuoni lakini tunaweza kumpiganisha na kumshinda kwa kuendelea tunaobserve ma mesure kuna mikono saa yote kutokusalimiana kuvana barakoa wakati tunakuwa kwenye kwa public na zaidi ya yote kunawa mikono kwa saa yote na wale ambao wanagonjwa waende kwa vituo vya afya kunakuwa matunzo iko approprié na wakati anapona anarudia tuevite discrimination yeko liye na wale wanafanya magonjwa ya COVID lakini tuendelee tunachukuliana na hii miradi ambayo tumesema government yetu iweke en place ya kushindikiza secteur informel ya kushindikiza mwanamke kuboresha maisha ya mwanamke, ya mama, ya binti na wazia tunaweza pia tena kujeleleve na hivi bado wa partenaire wetu wanaendelea kufinance maendeleo mbalimbali tunaweza tena kusimama zaidi mwanamke, binti na kijana na kuendelea kukontribue kwa development ya nchi yetu ninasema na ninawashukuru kwa usikivu mwema. Positive d'habitude.
l'homme qui donne cette espèce inscrit au pied. Parce qu'il t'aime, il n'a pas abordé le cadre de violence basée sur les gens. Il y a des scènes de viol, mais tu vois, tu as encore un écoutier à ça, il y a un il y a un échange, il y a un viol, il y a un il y a un échange, il y L'homme, c'est un bon travailleur. L'homme a le pouvoir de direction. C'est lui qui doit diriger. Il doit prendre la décision. Il n'a pas besoin de dominer tout. 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 Manaki, mon nom est comme ça, non, comme un peu bien. Vous n'avez pas de ma vie, ok? Pacha, vous voyez chaque cavate. Vous n'avez pas de cavate et tout. Vous voyez chaque istem, n'a pas été lissé, youl. Manaki, chaque fois, tout colonie. Tout va si, a dominé, a touché comme un appel à dominer, un appel à l'échec avec vous bien. L'homme a une approche à quoi la protection? Protection, Manaki, n'a pas de faute à la mine à être. Il faut que tu aies une protection. Mais ça, il y a ma violence. On a assisté au contraire.
mumakaza mingi ya matemoignage ya ba mama benye balikuwa napata mafiru surtout kwa interieur. Atakwambia kama sawa jambazi wanafika. Wanagonga kwa mlango. Baba anasema eh jubale wanakuja. Bibi yangu nifichike chini ya kitanda. Bibi anaingia chini ya kitanda. Mama anaingia chini, bwana anaingia chini ya kitanda. Bibi ndio anataka mlango kwenda kufungula. Tu vois la pauvre femme, la pauvre femme. Ani sacrifié. Elle donne de fungula mlango. Et pourtant le protecteur, le soi-disant protecteur, à chaque fois chini ya kitanda. Ça va nafika ba mtoto anatafuta ba mtafuta. Très bien préparé chakula kushinda ta. Kushinda ta bana bana muke. Utakutana kwa eglise siku wanasema batakoropa ni wanamuke. Tu wanaenda koropa. Wanamuke anasha nyumba yake uchafu. Hakusaki hata sahani kwa. Lakini utakutana kwa eglise iko na jiuo kabisa. C'est pas mauvais. Mais ces hommes aussi qui sont mon mashirika yetu. Pourquoi parce que c'est dire que koropa si ni shirika. Shirika si mko kushirika sa fedi si kwa tu shiriki pamoja. Lakini utakutana kule kule njoo. Na mafundisho mingi batufundisha. Sasa tunaenda kutarajisha mafundisho ya ndoa. Tunataka tu kabisa baba njoo chef. Mungu sana chef. Hivi tupo nasema hapa. Bana tufundisha kabla kwa mafundisho ya ndoa. Mungu sana chef. Mungu sana. Kama nasema niko mahali lazima kufundisha huko pale. Anaweke na nini? Kama la famu ndio yule mwanzo. Bana jiga chakula. Bali kule bali weke. Hiyo ndio. C'était normal. Bibi alikuwa pale akwenda kugarde les sucres de près mika semenia kumika mchana na piaka wote okay sio normal kwetu mwanamke anakuwa tu kunyumba na pana sana kwa bibi anasonga okay 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 mimi nikafika wakati bibi anatupasha ta kumote garde mama kwa kuna observe na garso kana fungua kwa jeta na kisha chakula kama kitu kuna. Le fait que on
Uchumi ni kazi gani ndiyo mwanamke anafanya? Ile banaita role gani ya mwanamke, ule mwe banaita mwanamke entrepreneur? Napenda kwanza nipigie accenti collectif Alpha Ujuvi kwa kuweza kutupa hii muda ili tuzungumuze zidi ya mwanamke na uchumi. Ah, je me rappelle, ya hii une remarque. Comme elle sema tu même français na tunachanga. Ah, ma sœur, je m'excuse hein, nilikuwa nisha démarrer moteur. Et donc, nous remercions le collectif Alpha Ujuvi pour cette opportunité d'échanger avec vous sur le rôle clé des femmes entrepreneurs dans la société. L'entrepreneuriat est une thématique très importante dans la promotion de l'autonomisation économique de la femme, dont les incidences et résultats vont au-delà de la femme elle-même. Mwanamke kina uchumi, kazi anayofanya, kuna sema ya kwamba, mwanamke na uchumi, kazi anayofanya ni kazi inayopata mafaa sio tu kwa mwanamke binafsi lakini kwa jamii nzima, pa kwa hii shirika la collectif Alpha Ujuvi, sababu katika kazi ya Alpha Ujuvi kuna miradi mbalimbali, lakini kama tuko hapa leo ni sababu tunazungumuzia iyo inayoitwa l'entrepreneuriat de femmes. Na ndio maana naomba wanafunzi wetu wanaokuwa hapa, wazazi wanaokuwa hapa, viongozi wanaokuwa hapa, watusikilize kwa makini kama vile walisikiliza wenzangu walio nitangulia. Wakati mtu anasema juu ya mwanamke na uchumi, mawazo inayokuja katika vichwa vyetu, faranga, l'argent, kazi, kuundwa kazi, kupatia wanamemba wa jamaa kazi, marafiki kazi, kuinua pato ya akina mama, kumupa akina mama heshima na kujua kupatia samani kubwa ujuzi ya kina mama. Tunapozungumuza zidi ya mwanamke na uchumi, tunaona pia mwanamke kuwakilishwa katika ngazi za uongozi. Participation de la femme
dans les instants de prise de décision. Sababu mwanam kana pokuwa na mopatas, mumeta mupa na fas, wataikala watajadiliana. Mwanam kana pokuwa na franka, ataweza kukamata hatua mbalimbali, akisema nami najitokeza kama kandideti, sababu kuomba sauti inalomba kazi. Kwa hiyo, tunaposema zidi ya uchumi, entrepreneuria, ni kuangalia hiyo makazi yote, mtu anatafuta kufanya ili aweze kukamilisha mradi wake, projet yake. Souvent utilisé dans le secteur des affaires, le terme entreprendre signifie créer des activités économiques pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. La créatrice représente l'entrepreneur, soit le porteur du projet. Et pour les temps présents ici, la créatrice mwenitu konaye apa, entrepreneur mwenyanabeba muradi wake wa uchumi, ni nyinyi wanafunzi munaosoma apa kwenye kolektif Alpha Ujuvi. Sababu ni nini kwanza ndiyo inaangalia. Lakini kama vile wakubwa wa chuo hiki wamesema, wameita wanamemba wa jamaa na jamii. Sababu hakuna mtu anaweza kuendelea katika jamaa au jamii mwenyewe. Kweli wewe ulifunzwa na kolektif Alpha Ujuvi au aye? Tekeleza katika hii uchumi mana, tunasema aksanti kwa kolektif Alpha Ujuvi. Dans vos projets, ayez en tête, dans tous vos projets, l'entrepreneuriat formel. Pour plus de prospérité, ne soyez pas découragés, car nourrir une vision, car il n'est pas facile de nourrir une vision en un coup. La promotion de l'entrepreneuriat féminin nécessite quelques actions telles que l'accompagnement des associations de femmes dans leur recrutement, l'organisation des séminaires de formation et des associations féminines au montage et à la gestion des projets de développement communautaire, appuyer les femmes et les filles dans la création des coopératives féminines. Révérende sœur, Madame Justine a émis le vœu de voir le collectif Alpha Ujuvi accompagner celles qui ont fini. Et là, ça peut être une vision à long terme pour dire ces apprenantes qui ont fini ici, elles ont créé des entreprises grâce à l'accompagnement du collectif Alpha Ujuvi. Pour finir, l'entrepreneuriat féminin étant vaste, il est difficile de décortiquer cela dans peu de temps. Aksanti kwa mawazo yenu, kwa kuweza kukamilisha na kupa uzito zaidi maneno tumezunguzia aksanti. J'espère que nous sommes vraiment édifiés par ces présentations de nos trois grandes dames. Je l'espère. Je ne sais pas si je suis un homme.
Sana ile kutoshamo ile
nimeoga. Ya kuona kama mie siwezi kuwa kapabli ya kufanya kitu. Na ya muhimu zaidi. Yenye mama Solange ingine anatoka kuonesha na nyo tunapata nguvu zaidi. Sasa ulizo wangu ni nilipenda nijue. Siyo tunezi fanya ma proje zetu. Mekitu yenye inatudisha nyuma zaidi. Kama kuko mwae possible ya kusema juu ya insécurité et aussi les enfants de la rue. Sa mwa tutezi kwa tuishanfanya ile projet na tunaendelea zaidi, lakini unakia kutana swate wanakuluwa mjia wanakufanya mshu kazi yenye tulifanya na utia. Nina washukuru na nina waomba mni la sécurité est un enfant de la rue. Il est tellement enfant de la rue ici. Ce sont des enfants qui sont dans la rue. Pas enfant de la rue. La rue n'a jamais été enfant. Bon. Insécurité extrême, nous appelons Mayo à la Coupe d'Angagne, à Ophita, je ne sais pas quoi. Il y a des pays au monde connu, on a fait un catamia comme un coup de pigarato. Kama kuna proje ya kusenzi kuogopa asijuku kwa insecurity test elaboré proje ya tu proje na sasa inalia ivye chini ya kitanda inamalizika chomoka mnyumba churuza vyako tujo zoeka isho kwa kawaida tu zamani tulikuwa tunaogopa bunduki bisi nanzali unasikia elela. Je suis étudiante ici au collectif Afa Utufi et nilikuwa na question kwa mama docteur Anito Fassiri a tué à ma mesure préventive il y a pendant pandémie à coronavirus. Mais Hakutu Ami a vraiment mis les droits à peine à l'étude par rapport au naïf vaccin. Il y a eu qu'on a engueulé à ça dans mon budget. Il y a eu un coup. Il y a eu un conseiller. Il y a eu les vaccins. Est-ce que vraiment c'est essentiel de tout patiller les vaccins? Voilà, Koukou Engine, mon mesure est tenu ça. Mata tu as coutu prévenir na il maladie à pandémie à coronavirus à ça je n'ai le droit peine ni tué. Merci de la parole. Moi c'est Aline Vichekwa ou Catherine. Soumise à nos maris parce que la Bible dit ceci que nous devons être soumises à toi soumise parce que la vie est seulement pas quoi alpha à quoi bon il y a fait formation pas quoi alpha aujourd'hui au moins que bon a été que les tomiques. La question posée par notre petite sœur, notre fille, Karine. Henriette, hein? En tout cas, elle vient de poser une question très pertinente. On nous a dit de parler des mesures préventives. Et parmi la prévention, il y a la vaccination, n'est-ce pas? Donc, si je n'ai pas développé ces termes-là, je m'attendais à cette question. Et le conseil que tu viens de demander, quelle attitude prendre? Comment un gouvernement est poussé par l'outil de vaccination? Avec quoi le gouvernement est venu en aussi? Dans la date où le personnel soignant va se beaucoup plus exposé, de première ligne, donc devant la tunica ou ma structure sanitaire. Il est catégorie date. Nawazi, à quoi tu sais, tu n'as pas choisi de faire vacciner. Moi-même, je me suis fait vacciner. Les dîmes. Karine Boutou, moi je me suis fait vacciner les dîmes. Je n'ai eu aucun signe secondaire. D'abord, nous sommes pitié comme un moment. Je me suis fait vacciner, je n'ai pas eu d'effet secondaire. Jusqu'au jour. Et donc, il faut que la vaccination reste très capitale. Parce que qu'on a circulé. Il y a une affaire en 2002. Donc, comme il tenait qu'il y a des liens communautaires, il n'y a pas de quoi ça. Je m'en ai tout à fait pour renforcer toute l'immunité collective. Il n'y a pas de rassurance. Parce que tout le monde a dit qu'au cas où on a intégré à ces missiles comme ma copine,
Mais nous avons un virus atténué. C'est bien, hein? Donc, tout le monde s'est préparé. Quand on a été en contact, nous avons déjà un mécanisme, un moyen de défense. Tout ce qu'on a immunité, il y en a aussi pour défendre. C'est bien, devant nous. Comme nous, nous sommes aussi des acteurs ou actrices sociaux. Au ministère, tout le monde passe. Tu ne sais pas qui est-ce que tu peux rencontrer, un cas contact, un cas infecté, et qui peut facilement te contaminer. Et c'est comme ça que moi, je me suis fait vacciner. Et beaucoup plus parce que je voyage beaucoup. Je préfère me protéger et je ne voudrais pas que j'arrive à l'aéroport comme disent rentre parce que je n'avais pas réussi un vaccin. Et pourtant, c'est un traitement. Même le paracétamol, si vous le prenez très mal, il vous tue. Même l'aspirine, si vous le prenez très mal, vous allez saigner jusqu'à la mort. Il n'y a aucun produit pharmaceutique sans effet secondaire. Ma présentation a porté sur les rôles clés des femmes entrepreneurs dans la société. Comme vous le savez, le collectif Alpha aujourd'hui, dans ses domaines d'intervention, il y a un accent particulier sur l'entrepreneuriat de femmes. Et comme il y a des apprenantes ici qui ont participé à cet atelier, ainsi que leurs membres de famille et d'autres personnalités, mon intervention a focalisé l'attention sur la conscientisation de ces femmes et jeunes filles apprenantes au sein du collectif Alpha Ujuri pour qu'elles puissent mûrir, avoir une vision entrepreneuriale bien définie en capitalisant les enseignements reçus au niveau du collectif Alpha Ujuri et surtout avoir ce courage d'apprendre et d'orienter et de demander conseil. Je leur ai aussi montré comment est-ce que l'entrepreneuriat féminin a apporté des solutions aux différents problèmes et défis dans le domaine de l'autonomisation de la femme pour relever le statut économique de la femme. Ainsi, en tant que femme ou jeune fille apprenante, ces femmes et ces jeunes filles devraient se tailler une vision savoir après la formation au niveau du collectif Alpha Ujuri, comment est-ce qu'elles vont rendre consommable leur apprentissage en transformant ça en micro-entreprise, à des activités génératrices de revenus, à ainsi contribuer au développement de leur famille, au relèvement du statut économique de la famille, à l'autoprise en charge économique et personnelle et au niveau macro, contribuer au développement du Sud Kivu. Parce que, en tant que femme entrepreneur, toutes les activités qu'elles vont exercer dans les domaines économiques, elles vont payer les taxes et ces taxes-là vont servir au développement de la province du Sud-Kivu.
Mais un élément capital, c'était de leur dire, il ne faut pas travailler dans l'informel. Même si elles peuvent commencer dans l'informel, il faut songer à aller vers le formel parce que les activités économiques dans le formel, elles sont très rentables et affichent ou donnent beaucoup d'opportunités économiques. Mon nom est Lionel Akampoisima. Je suis la directrice du centre collectif Alpha Boutouré. Nous encadrons les jeunes femmes et filles qui ont subi des violences basées sur le genre, qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'université. Le centre, c'est un centre qui offre une formation professionnelle, car les femmes que nous encadrons ici ont un bagage important en informatique et en entrepreneuriat qui leur permet d'être épanouies dans le monde professionnel. C'est un programme en entrepreneuriat et en informatique qui offre aux jeunes femmes une voie de sortie. Il leur permet de créer leur propre entreprise, de développer leurs propres agents et enfin de créer des entreprises formelles qui œuvrent pour le bien-être. Le centre ait plus d'impact, que le centre soit pour la communauté, que le centre soit un plus grand centre pour accueillir beaucoup de femmes. Parce que nous visons l'autonomisation de la femme et cette autonomisation doit avoir un grand impact pour toute la communauté, pour la province en particulier. Donc, ça veut dire que nous visons à accueillir plus de femmes parce que nous sommes capables de les rendre autonomes et de leur donner un grand bagage informatique et entrepreneurial pour leur développement personnel. Je m'appelle Stéphane Bave, je suis le responsable itinéraire ou le coordinateur du collectif Alpha Boutouré Asbel ici à Bukavu. Bon, nous sommes à la quatrième année, ça fera bientôt 4 ans. Et si vous avez vraiment participé à cette cérémonie, vous avez remarqué hier que nous avons collé la promotion. La troisième promotion, c'est-à-dire que la cérémonie devrait normalement se passer depuis l'année passée, mais vu la situation de la COVID-19, nous avons eu à reporter cette cérémonie plusieurs fois. Ça a été effectif hier, comme vous l'avez remarqué. Donc nous sommes à la quatrième année. En fait, l'objectif du projet, c'est identifier les femmes qui n'ont pas pu terminer leur cursus scolaire suite à plusieurs difficultés, les difficultés financières, les difficultés sociales, qui sont très vulnérables, qui ont été victimes de plusieurs violations, et récupérer ce genre de femmes, faire en sorte que ces femmes-là soient prêtes à affronter les mondes de l'emploi ou s'auto-prendre en charge comme entrepreneurs, développer leurs propres affaires.